Le glaucome ne veut pas dire cécité. Eh oui, le glaucome encore, on n'en parlera jamais assez. Il est souvent mal compris. Beaucoup pensent que c'est synonyme de cécité, mais c'est une idée fausse. Bonjour, je suis Afolabi Yazid Sabed, je suis ophtalmologiste. Le glaucome est une maladie oculaire progressive qui endommage le nerf optique en raison généralement d'une tension oculaire élevée. Si tu apprécies mon travail, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Et si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner. Il est crucial de comprendre que le diagnostic de glaucome ne signifie pas automatiquement la perte de la vue. De nos jours, avec des traitements appropriés et une gestion précoce, la plupart des personnes atteintes de glaucome conservent leur vision jusqu'à leur mort. C'est pourquoi le diagnostic précoce est essentiel. Le dépistage chez l'ophtalmologiste est le premier pas pour ce diagnostic précoce, surtout s'il y a du glaucome dans ta famille. Les traitements peuvent inclure des collyres, du laser et ou une chirurgie. Ce traitement est à vie et ne vise pas la guérison de la maladie, mais plutôt sa stabilité pour que la durée de vue dépasse la durée de vie. Et cela implique une surveillance à vie également. Avoir un glaucome n'est pas une condamnation à la cécité. C'est l'absence de diagnostic précoce, de traitement et ou de surveillance qui augmente les risques de cécité. Consulte régulièrement ton ophtalmologiste et tu verras que